Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, aujourd'hui nous retrouvons en salle Escalform pour vous présenter une de mes méthodes préférées d'intensification pour la prise de masse musculaire. Il s'agit des répétitions partielles. Donc, qu'est-ce que les répétitions partielles? C'est très très simple, et pendant que je vais vous l'expliquer, vous aurez des exemples vidéo de sa mise en application sur certains exercices. Alors, les répétitions partielles consistent en ceci. À la fin de votre série, généralement sur la dernière série de votre exercice, c'est-à-dire la série la plus lourde, au moment où vous allez arriver près de l'échec, c'est-à-dire que vous ne serez plus en mesure d'effectuer une répétition en amplitude complète, et bien vous allez prolonger cette série en effectuant des répétitions supplémentaires avec une amplitude de travail plus réduite. Bien sûr, vous l'aurez compris, plus vous allez faire de ces fameuses répétitions partielles, plus l'amplitude de travail qui était déjà réduite au départ va diminuer. Un exemple très simple, je suis au curl bar, je ne peux plus faire de répétition complète, je vais effectuer mes deux premières répétitions partielles à peu près aux trois quarts de l'amplitude totale. Troisième répétition, je vais peut-être faire la moitié de l'amplitude. Et enfin, dernière, on va dire au quart d'amplitude, ce qui sonnera la fin de ma série. Donc, quels sont les avantages de cette méthode de travail? Il y en a deux qui sont majeurs et qui sont d'ailleurs étroitement liés. Premier avantage, c'est que les répétitions partielles vont vous assurer d'épuiser totalement votre groupe musculaire en recrutant, en stimulant un maximum de fibres, qui est un facteur essentiel, encore une fois, pour votre croissance musculaire. Deuxième avantage, qui est encore une fois corrélé au premier, c'est qu'elles vont nous permettre d'augmenter le temps de mise sous tension de votre muscle, qui est encore un facteur important pour son développement. Et enfin, c'est une méthode que vous pourrez utiliser sur tous les exercices, même si personnellement je vous le déconseille sur le soulevé de terre, le squat à la barre libre, et un nota bene sur le développé couché. Si vous le faites à la barre libre ou aux haltères, ayez quand même quelqu'un pour vous parer, on n'est pas à l'abri d'une petite faiblesse. Les inconvénients, parce qu'il y en a, premier inconvénient des répétitions partielles, c'est que ça reste une méthode ultra productive pour la prise de masse musculaire, mais elle est néanmoins très stressante, très taxante pour le système nerveux, pour votre organisme. Donc voilà, ne l'utilisez pas à la fin de chacune de vos séries. Contentez-vous dans un premier temps de le faire à la fin, sur la dernière série de votre exercice. Et c'est une méthode de travail, une méthode d'intensification, au même titre que les biceps, les triceps, les drop sets, le 6-20, le rest pose. Ne l'utilisez pas tout le long de l'année. Sinon, vous allez finir en surentraînement. Utilisez cette technique sur 3-4 semaines, à la suite de quoi vous repassez sur un schéma d'entraînement plus soft, histoire de laisser reposer l'organisme et puis le système nerveux central, qui met d'ailleurs plus de temps que le corps pour récupérer. Donc voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de tester cette méthode de travail qui, encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais est réservée à vous, intermédiaires, et à vous, amis avancés. Ami débutant, cette technique n'est pas faite pour toi, mais bon, tu as déjà assez à faire et au moins tu sauras comment l'utiliser correctement lorsque le moment sera venu. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de nos coachings distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire MyMuscle pour la confiance qu'ils nous portent. Je vous invite à aller sur leur site internet, ils offrent un vaste choix de compléments à un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. Et à ça, MyMuscle vous offre un code de bienvenue de -20% sur votre première commande, code qui s'affiche dès à présent. À la suite de ce code unique, bien sûr, vous aurez -10% en permanence avec ce second code. Donc merci à eux, merci pour leur confiance. Le lien du site sera en description de la vidéo. Donc je vous souhaite à tous de très très bons entraînements. Je ne vous dis pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je serai avec Jamonézard de Jam Corps des Z pour notre stage et le tournage de ces fameuses vidéos workout. Donc je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut.